Le problème est de taille, le tube ne contient aucune trace ADN. Mais les enquêteurs pensent tenir là la première preuve matérielle d'un dossier qui était jusque-là dans une impasse. 200 et demi, aurait été aperçu près de ce magasin de bricolage en banlieue parisienne, où les tubes semblent avoir été achetés. Les deux Il ne s'exprime pas devant la vie, date à laquelle il dépose son plainte contre la sous-direction antiterroriste.